Hop là. Let's go. Oh, bonjour. C'est reparti. J'aurais dû jouer à FF7. Ah, au fait, est-ce que la police est réparée? Est-ce que je peux remettre la police? Parce que j'ai eu un bug. Non, je ne peux pas. Mais yes! Mais tant pis. Je suis malade. Ça fait plaisir. Oui, pardon. Ah mais c'est bon, il est où? Celui-là. Bon! Bonjour, calme. C'est reparti. Aussi calme, c'est très calme. L'auberge, ouais. Oh mince. Pardon. Et ramène-toi. Ouais, j'arrive. Faire un petit tour de la ville. Alors. C'est qu'une rumeur, voyons. Non, c'est vrai. Alors, merci pour les terres. Allons, montre là-haut. Demain est un autre jour. Eh, hey, c'est dans. C'est Five Nights at Freddy's, ça? C'est le 4, ça? Tomorrow is another day. Bonjour. Mon père était trop mineur et il s'est arrêté de travailler sur l'apparition de monstres d'un mini mitrailleur. T'es sûr que juste parce que c'est pas le charbon qui est devenu obsolète? Passe ton temps à se saouler, je comprends. Pan du bar! Bonjour. Hey, t'es pour moi, je pense que je vois c'est à boire. Ouais, bah alors monsieur. Ouais, t'es en fait éliminé par le soldat. Oui, il a été éliminé. Oui, bien sûr. Oui, j'ai ça, c'est ça. Oh. Vraiment des réacts dans un bar, hein. Ah, pardon. On serait en reparler dans une cuisine. C'est moi. Bon, faisons un peu des achats. Magasin d'objets, ok. Plus que 10 potions. En vrai, ça devrait aller. Quoique ça commence à devenir un peu nul les potions pour moi. Plus qu'un antidote, on va en prendre deux. Collir. Stimulant, calmant. Ouais, j'ai une tente. Je vais garder la tente. On va garder ça. On va faire ça comme ça. Magasin d'armes. Non, ça c'est magasin de materia. Ah oui, c'est là où il y a des matériaux très intéressants. Donc, à terre, que je n'ai pas. Que je vais prendre. Il y a guérison qui permet d'utiliser Esuna. Enfin, l'anti-poison. Je vais prendre. Passer qu'à barrière. 8 moisins d'armes, oui. Alors ça m'intéresse énormément. Donc une nouvelle arme pour Cloud, c'est oui. Alors boulet de canon. Le problème du boulet de canon, c'est que c'est pas une attaque à distance et que j'ai vraiment besoin d'un barrette à distance pour qu'il puisse tanker pour les autres. Après ça fait énormément de dégâts en plus. Hein. Alors, on va garder son. Trois orifices. Bon, Tifa, c'est sûr. Ouais. Est-ce que je prends? Allez, je prends. Je pourrais équiper tout le monde avec des bracelets mithril.
J'en ai encore un en possession. Ah oui, j'en ai tué ça en fait. Tout le monde en symétrie. Allez, let's go. Hein. Oh là 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 là. Allez, Cloud. Voilà. Frontière. Oh, pour poison. Voilà. Parfait. D'ailleurs, attends, je peux. À part 4 orifices qui est très bien. À part 4 orifices qui est juste. C'est la. Bronze, fer, titane. Bah, j'y vends tous. Hein. Bronze, fer, titane, j'y vends tous. Brasse de bronze. Hop là. Non. Brasse de fer. Hop là. Non. Brasse de titane. Hop là. Bon. Pour l'instant, ça va. Pareil que tire ses cuisses, il laisse poser. Oui, bah oui, c'est la pollution. Hein. Alors, on raconte que le président Shinra était tué, que son fils Rufus et le nouveau président était gravement blessé. Ouais, je sais. Pas intéressé. Kyominaine. Oh, t'as que mal sur les fraises de Shinra. Hein. C'est quoi ça? Merci. Ouais, oui, non, mais ça. Ok. Ça, tu regardes? Bon, ouais. 7 millions de dollars. Bonjour! Porter une épée terrifiante. Ah! Yes! Ah là là, je suis enroué! Oh là là! Ah, mais. Oh, j'ai pas fait gaffe, mais mon micro était super loin. Au secours. Donc, on m'entendait de méga loin, je pense. 1, 2, 1, 2, 3. Pardon. Hein? Attends, quoi? Qu'est-ce qui se... Mais c'est bon, pardon. Excuse-moi, j'ai testé. Oh, mais c'est pas possible. Alors. Merci. Pacificateur. Alors, c'est rigolo. Alors ça, je ne comprends pas. Pourquoi, en fait, je reçois déjà, à ce moment-là, pacificateur qui est donc une arme de 20 ans. Je ne comprends pas pourquoi j'ai déjà accès à une arme de 20 ans alors que le 20 ans je l'ai dans un milliard d'années. Ça me dépasse. Ah, mais punaise. Ah là là. Mon grand frère est vraiment stupide, c'est très gênant. Vrai histoire familiale, hein. Bonjour. Ah, mais attends. Quand je serai grand, je deviendrai soldat. Mais pour ça, il faut que je m'entraîne dur. Tiens, on dirait Cloud. Ok. So long. Bonjour monsieur! J'ai mis le gare. Moi aussi j'y habitais, mais j'ai entendu dire qu'il y avait plein de problèmes régulièrement. Oh. Bah alors? T'enfermes ton chien? Bâtard. Pauvre type. Ah! Très bien! Mon mari est parti en voyage, j'espère qu'il nous donnera ses nouvelles et il reviendra vite. Maman. Grand-père et moi. Ok. Et donc, il y a... Il est verrouillé, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est une nouvelle quête. Donc, c'est une nouvelle quête qui a été réparée. La quête de la lettre de calme. Donc, en gros, le mari en question va envoyer des lettres à sa femme et je vais être son coursier.
s'il va me permettre de pouvoir ouvrir cette caisse qui je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quelle qui a été réparée puisqu'elle est absente du jeu original, mais que cette, ce coffre qui ne peut pas s'ouvrir existe. Mais t'as aucun moyen de l'ouvrir en fait. Encore une fois, une mode que, qui a été. Plutôt une quête qui a été réparée par le mode. Alors c'est Nomigar qui l'a réparée. Ouais, Midgar, Shinra, non. La vie sur l'Inishimako ? Bon, c'est la vie avec du charbon. Ce qui est polluant aussi, hein, mais peut-être, peut-être moins dangereux que juste détruire la, la planète, quoi. Enfin, c'est en petit feu. Et les ennemis disparaissent tout le monde. Qu'en penses-tu ? Oui. Peut-être, bien sûr que j'ai raison. Ça va, calme-toi. Comme toi, gamine! Eh, mais si, j'ai raison! Bah, quelque chose d'intéressant à prendre. Touriste, hein. Faut que tu saches certaines choses qui sont utiles à ton âge. Tu veux les connaître? Oui. Contrôle sa carte du monde. Ah. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais je sais, je pensais pas. Mais c'est autre chose. Non, c'est tout. Non, mais je sais. Je voulais pas savoir ça. Bon, allez, on y va, on y va, on y va. On, y va. On a un flashback à subir. Monsieur Cloud. Vos amis vous attendent l'étage. Let's go. Je suis en retard. Ouais, bah, je fais des emplettes. C'est pour vous, hein, d'ailleurs. Tenez. Oui, oui, bah, ça va, ça va. Vous avez fait attendre. Allez, je suis allé faire des emplettes. Hein, quand tout le monde est là maintenant. J'ai récupéré des éthers, des équipements, des matériaux. Le danger qui menace la planète. Et de Sephiroth. Écoute tout ça. Let's go. Parce qu'à bas de Sephiroth ne sera jamais qu'un souvenir. Je reçois Sephiroth et je me suis engagé dans le soldat. Mmh. Alors, nous sommes devenus amis. Mmh. De bons amis. C'est-à-dire que... Je me vois, il parlait peu de lui. Ah, après ça c'est vrai. Ça c'est vrai pour le coup. Tifa qui presse X to doubt. Alors, on peut dire que nous étions des camarades de guerre, nous faisons confiance jusqu'au jour où. C'était il y a 5 ans. Ouais. Oui, genre... massacre des villages, quoi. C'est... Oh. Il y a 5 ans. Ça remonte, ça remonte. J'avais 16 ans. Ça remonte, ça remonte. Ah, le modèle de Sephiroth. Ça, quel plaisir! Plus à torrent. Comment tu te sens? Nos yeux. Voilà. Calme-toi, Cloud, détends-toi. Let's go! Let's go! Bah, après 16 ans, t'es un gosse. Tu me diras. Pas de mission ordinaire. Tant mieux! Parce que voilà, il a envie de briller en société. Enfin, c'est une bonne chose normalement. Rip. Un peu pour affirmer. Oui, bah écoute. D'être le grand Sephiroth avec un G majuscule, s'il vous plaît. Chill. Il est juste en mode chill. I'm chilling. Un vieux réacteur Mako.
L'origine du problème. Bah. À coup d'épée. Une autre créature, où ça? Bah. Sur la route. Attention, d'ailleurs. Nibelheim! C'est de là que je viens! Let's go! Ton village natal. Moi de confus. Oh là, voilà, voilà. Ah, je disais, attention sur la route. Peut-être à nos monstres. Un dragon. Oh, ce modèle de Sephiroth. Oh ouais, oh ce modèle. Oh. Oh le modèle de Sephiroth. Ah oh, En vrai, alors, no joke, quand tu joues la première fois et que tu vois Sephiroth mettre du 3000 de dégâts, t'es en mode. Alors, c'est rigolo quand même que Sephiroth c'est juste one shot le mob. C'est vrai que ça m'arrive à Nibelheim. Allez, qu'est-ce que je ressens? Nostalgie. Pure nostalgie. Quel effet ça fait? Je n'ai pas de ville natale. Effectivement, je suis dans la building, c'est un peu ta vue. Du coup, c'est Midgard, quoi. Tes parents. Mère s'appelait Genova et est morte à ma naissance. Quand ton père. Arrête de rigoler, s'il te plaît. Il y avait des théories à l'époque, comme quoi Vincent, c'était le père de Sephiroth. Bon, c'est qui le père de Sephiroth? Qu'enfer. D'ailleurs, c'est terrible que. Ah, non, pas bah, c'est incroyable que Sephiroth ait réussi à être aussi beau alors que son père est aussi moche. Hop là. Ouais. Tu veux faire comme d'habitude? Ouais, bien. Ça pue le Mako. Tant de secondes! Oui, Barrette? Le nom de la mère Sephiroth? Oui. Oui, c'était le corps décapité de la tour. Tifa qui est tellement intéressé par le récit. Tifa qui écoute ça, qui est en mode. Couche de bonheur, ouais. Alors, c'est parti. Ok. Oui. Ok. Après, on a un peu photo. Tu prends un monstre. C'est dangereux, tout chez toi. D'accord, petit prétentieux. Hey, mais c'est toi, Cloud. Pas possible, alors, comme ça. Alors, The London. Bienvenue. Bonjour, dame. Si je viens ici, je m'en rappelle pas. Oh. Moi, comment il est. Comment il. Comment Brett il est en mode ta narration m'intéresse pas. Hey! Ah, classique père mort, voilà. Avec la mère seule. Pas changé. Pleine forme.
Petit foreshadowing. Très léger. La mère de Cloud. Qui a à peu près le même genre de coupe. Il est si beau. Oh, tu as raté de complimenter ton fils? Non, pas vraiment, non. Donc ça, c'est le dialogue qu'on a eu tout au début. C'est pas cuisiner, bro. Une vision, quoi. Cloud. Non, elle a pas dit Cloud. Arrêtons ça. Ah, ça fait mal, hein. Shitiva. Cloud, tu es rentré chez moi? Oui. Y'a personne! Oui. Non, je ne vais pas fouiller là-dedans. J'ai pas envie. Par contre, j'ai fait quelques notes. J'ai oublié. Alors, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et avec, non, c'est non. Ah, je l'ai. Ok. Voilà, je jouais ça. Mini-jeu. Attends, c'est où? C'est celui-là? Je blaguais. Ça va. Je note quand même l'extra large. T'es pas reconnu, Cloud. Shinra. Soldat. Les monstres. Oui, y'a Gru. Denis Belheim. Bon, on a fini avec tout ça. Allons à l'hôtel. Bonjour. Oui, tout à fait. Zangan, le maître de Tifa.
128 élèves dans le monde, ça fait beaucoup d'élèves. Ah, tu dis Tifa? Elle fera une compétence et mérite. Confirme. Cloud! Toi, Cloud! T'as fait dire les gens? On connaît Sephiroth, eh oui. Sephiroth? J'ai l'impression de connaître cet endroit. Il nous manque un lit. C'est vrai. Nous partons de bonne heure demain, tu devrais dormir un peu. Ouais, dormons. Femme guide. Oh, je me demande qui ce sera. Let's go. Dès que le guerrier, nous y allons. S'il arrive quoi que ce soit, t'inquiète. Et voilà Tifa. Les meilleurs rues du village. Et aussi la seule. Let's go. Allez, petite photo souvenir. On prend la pause. Souriez. Formidable. Allez, petite cinématique. Quel enfer. Mon Nivelle. Traversons ce pont très stable. Et très solide. Oh no. Attention! Aïe aïe aïe. Quelle chute. Allez, on se réveille. C'est juste carré. Il y a forcément de vénère. Il manque quelqu'un. Restons groupés. Oh ouais. Sephiroth. Regardez ça. Oh, Sephiroth. Il est dans mon groupe. Et Sephiroth, il a beaucoup trop de matériel. Il a eu tout ce... Voilà, à l'infini. Sephiroth, il veut pas que je touche ses matériels. Juste prévention. Prévention. Okay. Je suis niveau 1. Ah, cet avatar de Cloud qui est tout jeune, tout fringant là. Donc là, en gros, toute rencontre d'ennemis que je vais faire va être un jeu d'enfant. Parce que alors que moi, je suis voilà, je suis un petit genou tout mignon. Eux, ils font pas de dégâts, Sephiroth. Sephiroth, c'est juste, voilà. Des gros éclairs à la boue. C'est sûr s'il n'y a pas le temps, voyez-vous. Pas d'XP non plus, parce que. À quoi ça sert? Une grotte mystérieuse.
Ok. Allez, c'est reparti. Plein sauterelle. Bah, c'est mort. Ouch! Le jeu me fait croire que je peux jouer. Alors que c'est pas le cas. Et même si je... Même si je tombe... En fait, c'est fini, ça me raise. Donc j'ai vraiment juste un cheat code avec moi. Trop bien. Ah, la fontaine de Mako. Mako de matière. Ah, fontaine de Mako. Ah, j'avais raison. Yes. Il y a de la nature. Ah, ouais, c'est magnifique. Bah oui, voilà. Le problème de l'énergie Mako. Oh, c'est close. Oh, ce motel! Oh, le motel de Sephiroth! Oh là 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 là! Un monde alternatif où Sephiroth il est gentil et tu joues. Et c'est notre méchant. Tu joues quelqu'un d'autre. Ou un monde alternatif où Ever Crisis c'est pas de la merde! Pardon. Je rage un peu sur Ever Crisis parce que je trouve que c'est vraiment pas fou. La matière naturelle. Avant. Avoir raffinage. Question naïve, mais qui a du sens. Putain, c'est bizarre, comment ça se fait? Ouais, voilà, en gros. Camille, c'est à pouvoir. Ah, c'est... Tu fous le quoi, Tifa? Oui, c'est pas très scientifique. Je vois pas comment l'appeler autrement. Au jeu de Shinra, un connard. Voilà. Bruit de complexe. Il peut, vu sa gueule. Et si tu bois cette fontaine, je te conseille. Pam pam. 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 Bon allez, Rector Mako, let's go. Petite facture des deux, s'il vous plaît. Elle veut voir. Oui, mais non. Oui, mais non. Allez, secret industriel de Shinra. Non, tu ne posteras pas. C'est moi qui dis qui passe et qui rentre et qui rentre pas. Sonne moi alors. Oh t'inquiète. Bon allez. Ce vieux modèle de réacteur là. Oh là là, moi j'aurais vu des plus modernes que ça. Hein. Esbui. Y'a tout passé, Fios. Quel endroit. Mystérieux. Sephiros. Genova. Level 5. Ah, pourquoi ça fonctionne pas spécial de magie. Enfin, c'est pop. Très bien. Tu fais quoi?
On sait plutôt fait l'énigme Jumako, enfin attends, maintenant dis-moi que j'ai l'énigme Jumako quand elle est encore dans ton jeu, c'est la matière. Mais Ojo a mis autre chose à l'intérieur. Regarde à travers. Attention. Quelle horreur. Swamp Thing. Un homme arbre. Un ent. Du bien à Sergi Mako. Même douche quoi. C'est quand même humain. Voilà. Si vous c'est une douche, eux ça bat. Un ban Mako. Quel enfer. Ce sont des monstres. Des monstres créés par Ojo de Shinra. Formé par les RNJ Mako. Normaux du soldat. Tu es différent. Le début de la psychose. Calme-toi. Un peu soupolé, hein, Sephiroth, hein. On se sert humain. Oh, oui, oh. Beauf, hein. Oui, ça... alors ça, c'est sûr que t'es différent. Mais c'est pas... Et pas comme ça. Oh! Someone's here! Ça a l'air douloureux. Ça a pas l'air très très fun. Hein. Suis-je humain? Une question s'il en est. Plus j'entends parler, plus je te dis yes. I feel ya, bra. Je te comprends tellement, mon gars. L'expérience humaine. Oh, incroyable. Continue, continue. Je suis là quand Barrette, en fait, c'est dissipé. On enregistre, il fait une pause. On enregistre. Alors qu'on perd de toute progression. C'est reparti. Alors, n'est-ce pas? Alors, on est retourné à Nibelheim, et c'est là que les choses partent en couille. Le manoir Shinra. Ah, qu'est-ce que j'ai pas hâte d'être dans ce manoir! Quel enfer! Ok, donc il est par là-haut. Allons voir Sephiroth. Je suis presque sûr qu'il veut juste une petite tasse de thé. Je connais tous les passages secrets de ce putain de manoir. Il n'y a pas de Sephiroth, je sais que j'ai vu entrer dans cette pièce. Ouais. Descendons dans les profondeurs. Niaou, le donjon. Salut Vincent! Je vais passer! T'es retrouvé dans une strate géologique vieille de 2000 ans. Il a baptisé cet organisme G. Va. Jour X, mois X, année X. Ça fait partie des anciens. Blablabla. Bla bla. Donc en gros là, on écoute les petites voilà, divagations scientifiques du professeur Gast lu par Sephiroth. Un livre en 10 tomes qu'on retrouve sur Audible. Voilà.
Ah, ça s'appelle Genova, le projet Genova. Est-ce une coïncidence? Sûrement. Qui s'est pète d'autre? Quelle coïncidence? Pourquoi êtes-vous mort? Alors, c'est ce qui arrive généralement. Quand les gens vivent trop longtemps, ben ils meurent derrière. Ça arrive. Bon, Séphiance, Séphie, je peux t'appeler Séphie. Ça va. Qu'on me laisse tranquille. Ok, je reviendrai plus tard pour le thé. Ah, je comprends. Je comprends. Pas sans imagerie. Il a juste foutu le bordel dans les étagères. Encore. Voilà, c'est juste Dawa maintenant, hein, et livre partout. Merci Sephiroth, hein, vraiment, hein, super sympa. Après du coup, il a sa vue abaissée, il a une migraine. Et tu comprends qu'après, il ait besoin de faire cramer des choses. Tu vois, enfin, on s'est tous réveillés un jour avec une putain de migraine, on s'est dit, ok, là, il faut que je fasse tout brûler, quoi. Mais c'est humain. C'est humain, ça, voilà. Ah, t'es pas bien, tu te dis bon. Allez, petit massacre d'un village, quoi. Qui peut le blâmer? Séphiroth, c'est différent, non? Ouais, c'est vrai. Qui peut blâmer Séphiroth? Moi, je le comprends. Si moi, je le comprends pas, déjà, qui peut le comprendre? Personne. Voyons, personne. Mec, il est juste. Voilà, il a trop lu, il a un mal de crâne. C'est bon, lâchez-le. Lâchez l'affaire. Puis regardez, je veux dire, avec cette musique là, en plus cette musique là, elle donne mal au crâne. Elle boucle infinie là. T'as rangé les livres, mon gars? Ok, j'ai rien dit. Je pouvais pas si doigt que ça. Ouais, par contre là, t'abuses. T'as cette pièce là, par contre, t'abuses. Traître. Ouais, hey, calme-toi, j'ai juste dit que t'as mal rangé la pièce, hein. C'est tout. T'as fait le couloir au moins, hey. Je vais te dire. Ouais, dis-moi bien. Ok. Peuple nomade qui va agir, qui tue la planète avant de quitter. Donc ça veut dire qu'ils sont des sous-spatiaux. Ils sont où? Ils vont rejoindre la Terre promise et trouver le bonheur suprême. Moi aussi j'ai vu le jeu avant. Puis ils sont voyagés. Oui, donc ils sont vous installer parce qu'ils ont dit eh ouais, wesh, la Terre elle est bien. Go ça sale. Une vie plus facile. Mais alors, si c'est les Cetra qui se sont arrêtés, qui sont installés, pourquoi ils disent qu'ils prennent nos Cetra? Parce que c'est les Cetra. Complètement con. Pas parce qu'ils s'installent qu'ils viennent des gens différents. Ce sont tes ancêtres. Donc c'est les humains. Mais... Une catastrophe s'est abattue sur la planète. Un météore. Sacrifice des Cetra. Pardon. Ils ont continué de se multiplier. Bon, classique shit d'humain, quoi. Ouais, enfin non, il y en a d'autres encore. Et ça toi. Tu ne comprends donc. Ah. Donc Genova a été retrouvée dans une stratégie logique de 2000 ans. Le projet Genova. Cause sacrée des hommes et de des pouvoirs des anciens ou Cetra. Quelle erreur! Il a été créé. Oui! Il a été créé par le professeur Gast. Responsable du projet Genova, scientifique génie. Comment. Séphiroth? Le pétage de câble commence. Ah mais il a pas eu son café ce matin! Excusez-le, il a pas eu son café! Voilà. Je vais faire un bêtise. Ah, plus personne, il a fait fuir tout le monde, non! C'est le Séphiroth, c'est sous-polé du réveil! Attendez!
Ah oui, un peu saoulé. Bon, en vrai, il abuse, hein. Oui, moi, j'ai toute ma tête, oui. Ça va, la maison de Tifa, elle va bien aller. Il fouille le bar. Et moi, je fouille chez moi. Maman. C'est terrible. C'est terrible. Quel tibétain. Et il disparaît dans les flammes de façon trop classe. Pendant ce temps, au Mont Nibel. En vrai, c'est un peu plus tard au Mont Nibel. Très exactement. Parce que je sais que t'es là, Sephiroth. C'est long. Oh non! Ces féroces soldats rectes en ma gauche, Shinra, tous, je les déteste tous! Allez, c'est peu grand pour toi comme épée, mais c'est ça. Allons l'en aider parce que sinon elle va se faire détruire. Alors. Non, pousse ça. Pousse ça, Tifa. Quelle erreur! Quelle erreur encore! Et schlack! Qui a joué avec la gravité? Blablabla. Tifa! Tifa, non! Pique, fatigué. Dormir. Attends, tu peux pas dire quelque chose à Tifa encore? Tu as promis que tu viendrais si tu avais des problèmes. Bah, je suis là, t'as des problèmes, je suis là. Mais quoi? Reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale. Allons vers la Terre promise. Sephiroth! Pas très compliqué, hein. Coup d'épée, mage à feu. Les revoilà, mère. C'est le moment où Sephiroth vers Smug. Qui devient royaliste. Mère. Noble. J'ai commencé à lire ces stupides oubliés de chauffe-lu. C'est avec toi. T'inquiète pas. Et ben, Genova. Et ma tristesse. Oh, hein, bon.
Choisi pour régner sur cette planète. Ok, Trump. Excuse-moi, hein. Le mec, il a l'impression que c'est Dieu, quoi. Oh, le god complexe, quoi. Tom, 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 tom. Suite au prochain épisode. Fin de mon histoire. Hé, hey, ça serait été au meilleur moment. J'avoue que c'était un peu le climax, une climax nul, tu sais. Et s'affrontèrent. Enfin. Bah clairement, il est pas mort, puisque bon, il est en train de faire des grabuges. Mais bon. Officiellement, oui, mais officiellement, tu sais ce que dire. La pitié. Oui, mais sans la tête. Ça n'a aucun sens tout ça. Un peu. Je me tire, je me tire, je me tire. Je vais s'y réfléchir. Tant c'est bon, c'est bon. C'est tout. Cloud. Je serais mort, j'étais vraiment triste. Très ce qu'il a. Quelle histoire fascinante. Tu sais, Retrait, je l'imagine presque avec une tête de vieux avec un cigare en bout là. Quelle histoire fascinante. Ah putain, let's go. C'est reparti. Le PHS qui va permettre d'appeler mes membres de groupe et de les changer. Partons. Alors de toute façon là, il faut que je garde Retres parce que c'est lui qui... En vrai, il me faut Iris. En vrai, il me faut Iris. Je vais garder Iris Retres pour l'instant. Voilà, comme ça. On équipe. Ok. Ah, tiens, je donne guérison. Donc, je donne ça. Je donne ça. 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 Je prends ça. On voit la cloud, je mettrais bien le 86 plutôt. Voilà, truc du feu. Comme ça, j'essaie d'augmenter la limite de Red 13 et il faut que Iris fasse des kills. Toujours. Allez, direction. Ferme des chocobos. Ce qui va être une étape. Ah là là là. Étape avec le zone Migar. Alors, on va falloir là par contre. Ah non 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 non, pas toi, va bien crever. Au pire j'ai ça. Au pire j'ai ça. Allez, freeze.
Personne n'attaque. Ah, yes. So long, comme on dit par chez nous. Hop là. Fais un kill, s'il te plaît. Pas d'effort. Attends, il lui reste combien de PV là que je rigole? Ah, comme c'est pas neuf. Voilà. J'essaie de voir un truc. C'est reparti. C'est Ace qui a 2 kills. Oui. Pardon. Nous avons qu'elle a une limite en plus. Et parti. Let's go, let's go. C'est parti. Oh, oulala. Les petites herbes. C'est pour la digestion. Allez, ici, maître. Alors, ça fait combien? Ça fait 20 dégâts. Ah oui. Vénère. Ah. Ah. Ah ouais. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Réveille-toi. Allez. On te heal. Ah wesh. La magie, ça fait rien sur Ouch. Ouch. Tellement mal. Aou. Stop. Mais les dégâts de ces putains d'ennemis. On se calme. Mais il a crit, wesh. Stop. C'est une dingue. Trois queues de phénix sur ces conneries. Oh la vache. Ah, ça coûte tellement cher en plus.
Et j'ai plus super potion. Je vais éviter. Allez. Quark. Bah Quark. Attends, Quark. Bah Quark. Ce spectacle vous a été représenté par KFC. Merci pour le Chocobo Moguri. Ça fait super plaisir. Et bah... Cloud pour l'instant. Bonjour. Contraverser Marie. Oui. Vous êtes procuré un Chocobo. Mais moi ne pas être attaqué par une Garsorm. Ah oui, c'est vrai. Que du coup, la traduction a été changée en Midgar Sormr plutôt que Zolom. Je suppose c'est de référence à la mythologie nordique. Une créature ressemblant à un serpent de près de 10 dos. Et qui fait méga mal! Et boum, il attaque. Si c'était ça, il ferait mieux de louer un chocobo dans notre ferme. Reste-toi, mon petit-fils, il se trouve dans l'étable juste à droite de la ferme. Yes. Si tu veux dormir, pas pour l'instant. En plus, je crois qu'elle est chère, son berger à coups. Allez, bonjour. Tu veux un chocobo? Ouais, s'il te plaît. Pas de chance pour mon gars. C'est un cours de chocobo. Oh. C'est vraiment bien, très bien, ouais. Ah oui. Alors, où en trouver? Je sais, c'est sur les empreintes. Comment les attraper? Tu lances un légume. Et tu bats les monstres autour d'eux. Quoi d'autre? Si je m'en calme, ne mets jamais les chevaux en colère, qu'ils ne sont pas attaqués. Et voilà. Non, ça suffit. Alors, on va faire maintenant. Justement, un matériel appelle Apache Chocobo. Oui, bah oui. Nécessaire. Hein. Les tantales sont bien. En vrai. Prendre 5 légumes tantales. T'as fini quoi? C'est cher, non? Bah, il faut bien vivre, hein! Du coup. Non, pas équipé. Je vais enlever sentir temporairement. Voilà, il faut être là. J'ai un matériel pas chocobo sur moi. J'attends que ça morde. Ah, il se casse. Comment il fait de dégâts? Pardon? 113? Ah, les ennemis font hyper mal. Ok. Not bad. Quoi?
slash. Bam. So long. Ok. Allez, une tentative en deux, du coup. Nice. C'est mieux. La danse. Let's go. Sur le dance floor. On est sur le dance floor. Oh non, pas eu. Tiens, vas-y. Vas-y. Mange. Attaque. Meurs. Soit sur tout le monde. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Wark. Vas-y. Oh putain, la crit. Hop là. Ça a rien. Dégâts. Oh. Panique pas. C'est incroyable. J'en ai eu un. C'est dur. What? Ok. Ah mais il me ralentit sa chaque attaque. J'ai plus qu'un légume. Oh non. T'en sens, tu me ralentis. Oh damn. Porte bien son nom. Oh, par pitié. Oh, mais achevez-moi. Oh, mais quoi? Oh, sérieux? Des mille guilles. Bon, on va acheter des légumes. On va acheter des légumes de moins bonne qualité. Pour en avoir plus. Il s'était tellement tanky. La magie leur fait pas d'effet. Du coup, il s'est pas adapté. Des caracas, on s'en prend vite. C'est pauvre. Comme une envie de crever. C'est bon. Allez, on se dépêche, merci d'avoir pop. Oh là. Oh. C'est pas. Oh.
peu le seum. Juste un peu, hein. Mais j'ai un peu le seum quand même. Ok. Meurs. Je prends. Bon, ça level up, ça level up. Bien. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Allez. Poum pam pam pom pam pom pom pam pam pom pam pom pom pam pam. C'est absolument non. C'est non. Je refuse. Ok. L'avantage de missile Matra, c'est que c'est quand même une très bonne attaque. Diga ! Et du coup, ça limite, ça m'a monté plus lentement. Bon, à la limite, ça c'est pas grave. Mais faut arrêter de me défoncer la 13, s'il vous plaît. Rouge 13. Ok. Fender. Donc c'est nice. Glace. Donc la tristesse. Oui, super. Oh bah là, bah, comme ça ils sont tous en tristesse. Bam! So long! Ok, on prend. Potion, merci pour la potion. La thune aussi, parce que j'ai plus de thune. Mais je veux un chocobo! S'il vous plaît! El chocobo! Chocobo! Pa-pa-pa-pa-la! Chocobo! Pa-la-pa-pa-la! Chocobo! Ok, c'est bon, celui-là est faisable. Même plus que faisable. Mieux sur lui. Glace sur lui. Ok. Limite de Aerie, ça c'est cool. Allez, mange ça, s'il te plaît. De tout. Allez. Hop. Blême. Merci. Ah, au moins. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, continue de manger. Une connerie. Oh, ça passe. Non, ça passe. Allez, ça passe. Ça passe, je dis que ça passe. Je dis que ça passe. J'étais greedy. C'est le mot greedy. J'étais tellement greedy. Non, j'étais greedy de fou. Je me déteste. Oh, putain. C'est...
C'est terrible. C'est terrible de faire des choses débiles. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Oh, ça se fait, ça se fait. Ça se fait. Oh, j'ai encore des légumes de... T'inquiète, t'inquiète. Toi. Hop là. Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. Ok, 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 ok. Fire. C'était resté court ça, c'était court. Mange plus lentement. Mange plus lentement. Eh, hey, faut apprécier les ingrédients, mon gars. Bon, ça, ça le tue pas, je comprends pas. Ah, merci pour la super solution. Il montre à ses mariés. Let's go! Bon, c'était plutôt simple. J'ai pas vraiment envie d'essayer si Zlom, à mon avis, Zlom déglingue. Avoir bêta en early, je pense que c'est mort. Je pense que là, l'avoir maintenant, c'est mort. Peut-être plus tard, je reviendrai plus tard. Midgarzorm. Ça n'a entre une garçon, il y en a plusieurs. Ouais, ouais, c'est Sephiroth qui a fait ça. Bon, il est. Voilà. Il est pas d'humeur. Ah, c'est juste histoire de dire vous avez vu le truc incroyable là? Il est one shot. Voilà. Conséquence. Mithril. Alors une tente ça fait toujours très plaise, des terres ça fait toujours très plaise. Il y a lance-flamme à récupérer sur ces dragons d'ailleurs, ils sont là. Voilà. Mais il a touché Cloud, donc aïe. Lance-flamme est une bonne magie talent d'ennemi. D'accord, ça va. Il faut se calmer. Aïe. Ok. Je passe à une bonne personne. Merci. Voilà. T'es plaise. On soigne. On s'écroule un peu. Oui, bon après Red 13. La petite défense dis donc. Ok. Ah, par contre, les PM descendent, hein. Ça descend.
Mata longue portée qui est très pratique parce qu'elle permet. Bah, déjà, permet de rester en ligne arrière et d'attaquer à distance et permet d'attaquer des ennemis volants. Voilà. Donc, faisons ça. Après, il y a un monde où en vrai. Je le donne à. Aeris pour que quand elle attaque avec son bâton, elle fasse pas minimum de dégâts. C'est peut-être même mieux. Parce que là, du coup, tu vois, si j'attaque. Ouais, elle fait les dégâts. C'est mieux, hein, ce qui est bien mieux. Bon, c'est une faut pas beaucoup de dégâts, ça. Non, ça me fait mal. Hein. Mais ça demande beaucoup de mana. Faut se calmer. Bouh! Bonjour, bête! Ça va, ils sont nuls. C'est pas New Vegas ça. Non mais d'abord je... D'abord je fais ça. Hein. New Vegas c'est après. Ok nice. Comment ça une obsession? Mais je vais y jouer. D'ailleurs faudra que je vois avec toi sur quel mode je dois installer. Parce que bon j'imagine bien que New Vegas Vanilla ça doit être ça doit être quelque chose. Source spirituelle. Ok. Ok. Oh. Oh, je suis pas très fan de ça. Ow. Non, pour l'instant, on s'attaque. Hop là. Hop là. Disons que ton FF7 là est plus joli. C'est, alors, c'est pas pour le graphisme que je vais jouer. Hein. Clairement. Hein. Ni pour les animations. Par contre, je pense que c'était en galère de PM. Oh là là là. Oh là 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 là. Après ces ennemis, ils font pas de dégâts. Ça, je vais pas me plaindre. Oui, enfin, mais oui. Évidemment. Let's go, 4 kills pour Red 13. Bien joué. Super potion, je prends. Je prends la super potion. Les Turks. Bon. Le non-combat. Tu es des Turks. C'est bien vu pour les Turks. Être un comic relief. Non. Oui, bon, aussi. Et pousser des bombes. Je suis relatif, ça peut ça. Oui. Ok, yes. C'était très... Ouais. C'est Elena, la non, la plus récente des Turks. Bonjour, bonjour. Oh, ça va, Irino, il s'est juste barré en mode tout va bien, donc ça va... Yes. Où se rend Sephiroth ? À la terre promise. Ah ! Pardon. C'est plutôt nous qui vous mettez en travers de notre chemin. Bah non, là techniquement on est arrivé après vous, donc c'est, on s'est pas mis en travers de votre chemin, c'est vous qui t'en mettez en travers. Bref.
Et là, tu parles trop. Comme moi. Une telle période de mission. On ne doit pas leur dire que nous allons à Junon. Vous avez compris. Mais moi, dans la charge de session, si Kiri, j'ai effectivement à prendre Junon. Je ne viens pas du tout de spoil. Avec une toute nouvelle arme. Viens de voir ça. Ça faisait un bail, Iris. Yes. Non, non. Prends soin de toi. Ça, alors, c'est non. C'est un non. On va pas arrêter de traîner dans les pattes de Shinra. Hein. Clairement, non. D'élixir. Une super potion. Et on peut pas passer. Les boulets. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Pas des ennemis très dangereux, j'ai l'impression. Malgré le mode. Après, c'est pas une zone très difficile. Ok. Ah non, par contre, il se mange d'obscurité. Ça, c'est plus chiant. Après chaque mur. Aïe! Vas-y, fallait faire ma gueule! Ils sont pas encore. Ok. Ok. Ok, ok, ok. On va rester calme. Surtout ne panique pas! Ok. Les dégâts qui surprennent de fou. Bon allez. Paf. Ah putain, il sort de l'autre côté. Alors. On va s'arrêter à Junon. S'arrêter à Junon, je pense. Petit tour par le Fort Condor. Bonjour. Conseil nous aider à les combattre. Oui, je non. Dans l'ombre, il y a une petite colline. Ah. Alors, il y a toute une série de quêtes à faire ici, à Fort Condor. C'est les quêtes les plus chiantes et les moins rentables de l'histoire entière du jeu vidéo. Littéralement, donc il y a des points clés dans le scénario où, dès que tu peux retourner à Fort Condor, faire un combat contre la Shinra. Ça te coûte énormément de thunes. Et tu reçois des récompenses en fonction de d'à quel point tu gagnes et à quel point tu fais ça à chaque fois. Ce qui fait que tu peux... En fait, tu peux faire ça à n'importe quel moment. Tu peux être genre à Nibelheim et retourner à Fort Condor. Ce qui est possible, hein, en utilisant les bateaux, etc. Bon, déjà, c'est ultra relou. C'est ultra chiant. Ça te demande de taper un milliard de combats en chemin, de payer un milliard de trucs pour passer genre le bateau, etc. Et en plus, les récompenses, c'est de la merde! Parce que c'est soit des choses qui sont achetables ailleurs,
soit des consommables. Donc c'est de la merde. J'avais fait une partie où j'avais essayé de le faire. Ça m'ennuie. Ça m'a juste ennuyé, en fait, juste arrêté parce que j'en ai marre. Donc, je vais pas m'insister cette fois-ci. Bonjour! Ah oui, c'est vrai, tu peux rien leur acheter tant que t'as pas participé. Et ben. On va un petit peu participer financièrement. Après, si t'as assez de thunes, tu peux leur donner une réserve de thunes pour qu'ils se débrouillent pendant un certain temps, mais bon, c'est tout quoi. Waouh! Quel. Oh, c'est de toute beauté! Bon. Je vais voir toi aussi. Ah, le Condor! C'est pour ça que ça s'appelle le Fort Condor. Impressionnant! Impressionnant! Pourquoi ils veulent pas que je participe? Parce que j'ai pas fait en bas? Peut-être. Peut-être que je suis un peu un connard et que le mec en bas j'ai oublié de lui dire un truc. Peut-être. Toi tu dis quoi? Ça alors j'en ai bien mangé quand même plus que après jusqu'ici. Ouais. Il faudrait que tu t'en ailles avant que tu aies plus dans le combat. Peut-être que j'ai envie de participer au combat. Ah non, c'est lui, il fallait que je parle. Ok. Oui, bah tout le monde a un problème avec Shinra. Hein. Bien sûr, écoute. Bah, il y a un Condor. Ah, et un Rectoraco, oui. Alors, en toute honnêteté, je vois pas si ça change. Voilà, je vois pas où le problème. Hein. Forge de Wing, matériel étrange, Forge de Wing. Forge de Wing. Pardon. Et sinon, on voit les trucs de l'armée. Qu'avoir plusieurs années. Ouais. Compréhensible. Un bébé Condor. Nous recrutons des soldats. Mais nous sommes des soldats. Un soutien financier ou un combattant directement pour nous. Pourquoi dis-tu? Allez. Fournissons un soutien financier pour l'instant. Ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, je dis objectif vu non. Une stratégie, il migre après au sommet de la montagne, direction directe. Nous pouvons lancer les pièges pour y voir la route, étendu front dans la zone. Pas ça, mais ce village est pour nous avons beau être motivés à les combattre, ça ne sert à rien sans argent. Chaque soldat nous revient à 400 guilds. Parce que quand nous faisons 20 soldats, il nous faut 8000 guilds. D'où lui passer dans les ordres. Si tu n'as pas le temps, peut-être pourrais-tu nous apporter un soutien financier. Pour assurer que tu nous mêmes soldats et arrêter l'attaque de Shinra. Et envoyer nos fameux enfants dans notre village. Donc c'est obligé de combattre vous-même. Non, j'ai pas de questions. Je connais tout ça. Contribuer. 15 000 guilds. J'ai combien? 3 000? Occupez-vous-en. Là, je t'ai donné un petit peu d'argent. Tu te débrouilles avec ça. Donc là en gros donc comme il a dit il prend 3000 guilds par combat. Et en gros je peux le laisser s'occuper des combats donc il a 18000 en 6 fois. Donc ça fait 6 étapes. Alors les étapes étant. Alors les étapes sont très précises en plus hein. C'est arriver à Junon par, après la parade. Arriver à Costa del Sol. Arriver à Corel. Arriver au Gold Saucer. Oh, il y a des trucs comme ça. Et. En gros, à chaque étape, ils vont faire leur combat de leur côté. Ça va coûter 3000 guilds. Et c'est chiant.
Et en fait, quand ils ont plus de. Ils font des petites victoires. Qui ne font pas augmenter ton cumul de victoires, mais qui ne font pas non plus compter comme des échecs. C'est du neutre, en fait. S'il faut vraiment que tu participes et que tu fasses des cumuls de victoires, avec des conditions qui sont de ne pas affronter le boss de fin, par exemple. Pour avoir les meilleures récompenses, qui sont genre un 4 orifices, je crois. Enfin, c'est la taupe. Un accessoire que tu peux acheter de façon ailleurs, quelque part, ou tu récupères ailleurs, et paf. Pas très intéressant. Je crois que ça chidra bêta. Je sais plus. Bah, en tout cas, c'est suite de quête, ça sert à rien. Et ça a l'air rigolo de se dire, ah, bah, je vais le faire, tiens. Flemme. C'est genre. Nul. Bon. On va dormir. Prends un peu de repos. Plus, c'est un sommeil qui est gratuit, hein, c'est sans. C'est pas un coup, donc let's go. Hein. Donc, je disais objectif Junon. Non, objectif Yuffie. J'espère qu'elle me casse pas la gueule. Let's go, let's go. Cassus. Bon. Donc Yuffie, on peut les avoir que dans les forêts. Donc il faut que je me lade. Dans les forêts. Est-ce que je vais avoir Yuffie direct? Ce serait trop bien. Non. Non. Et en plus, je crois que ces mobs sont vénères. Oh. Ah oui, ils sont vénères. Ouch. Ok. Je prends. Vraiment aïe. Hein. Ok. Je vais probablement avoir un game over en essayant de chercher Yuffie. Aïe. Alors, frénésie, ça c'est cool. Ça c'est cool, j'ai la limite 2 de Red 13. C'est bon, c'est fait. Allez, Yuffie. Ok, heal tout le monde. Quoique non, j'aurais peut-être dû. Oh, je sais pas. Allez, c'est parti, Missy Motra. Des éclairs partout. Ouch! 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 Ça suffit pas. Wesh! Il faut tellement mal! Et je suis au max de save de défense que je peux avoir. Allez. Petite ninja, sors de là.
Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Oh non, 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 non. Mal. Non, 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 non. On se calme. On se calme tout de suite. Ok. C'est pas l'espèce de petites racines de mort là qui vont. Hein? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ok. On se met là tout de suite. Je vais faire un petit échange de matériel entre Red 13 et Iris, parce que c'est Iris qui a besoin. Ouais, Iris qui a besoin de talent de l'ennemi. Dur, hein. Bon, allez Yuffie, allez Yuffie, allez Yuffie. Pas Yuffie ça. Ok, c'est Cloud. Troisième game over. Je l'avais dit que j'allais avoir un game over en essayant de chasser Yuffie. Non. Ah. Mais elle est où cette putain ninja? Bon, on y retourne. Bon, je m'arrête quand j'aurai Yuffie. Si je foire ces dialogues, je pète un câble. Bon. C'est reparti. Tiens, attends, je vais changer tout de suite d'abord si c'est le matériel. Excuse-moi. Tu peux revenir là, ouais. On va échanger les matérias que j'avais là. Donc on va échanger glace. Non, pas glace.
C'est tous avec temps d'ennemi. Voilà, comme ça, Iris a temps d'ennemi. On enregistre. Ok, let's go. Allez, on peut y arriver, 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 on peut y arriver. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, c'est tout de suite. Ok, 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 ok. Juste, je les bourre. Juste, je les bourre. On les bourre, on les bourre. Normalement, juste ces trois actions permettent de les tuer. Normalement. Oh damn. Bon, super potion. En vrai, je vais enregistrer après chaque combat parce que. Après chaque combat, je suis survie parce que. Ça va pas le faire. Allez. Yuffie, 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 Yuffie. C'est pas Yuffie, c'est pas. Surtout pas. Ok. Il n'y a plus Freeze. Ok. Non, j'en dis 6 solides. Pas grave. Pas grave, pas grave. On s'en sort. Que des limites. Claquage de limites en boucle. Allez, île de groupe. Let's go. Allez, c'est parti, grandit sa selle. BAM! Ok, ok. Aouh. Ok. Ouch! Ok. 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 Ah, aouh. Non, 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 ils font méga yesh. Ils font méga yesh. Allez, 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 so long. Oui, la frénésie, c'est bon. Deux potions, j'en ai bien besoin. Oh. Fuck. C'est pas évident. Bon, allez, Yuffie, allez, Yuffie, allez, Yuffie. Yuffie, où es-tu, ninja de ses morts? Réveille-toi, viens me voler mes matérias. La 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 la, j'ai de la thune et des matérias, viens me les chercher. Oh. Encore les Gremlins. Je pense que c'est les Gremlins, mais. Soin, éclair. Super. Sisme. Ah, ah.
Ok, 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 stop, 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 pause. Stop. Magnifique. On bouge plus. C'est une tente, hein? Non. Non, non, non. Réfléchis, réfléchis deux secondes. Soin, soin, soin. Voilà. Ok, encore un combat que j'ai survécu. Let's go! On a des matériaux et de la thune, viens les chercher. Ah, tu fais pas d'efforts aussi, fille. Allez, allez, on va le faire, on va le faire, let's go. Voilà, ça c'est ciao. Silence flamme, ça fait plaise. Blablabla. Au revoir. on va se calmer. Soin de groupe, s'il vous plaît, tout de suite. Go. Ok. Allez. Yay! Et boum. Ok. Oh yes, j'ai un feu 2. Trop bien. Super, trop bien. Allez, on se dépêche. Allez. Youfi. Je suis là, j'ai aidé Materia. Oh. Allez, sur feu 2. On va inaugurer ce feu 2. Bam. Ah ou bon ça c'est pas très dangereux ça. Ça c'est déjà plus. Ciao. Soin. Now. Une pose du crochet, je dis bravo. Ok, level up. C'est bien. C'est pas ce que je cherche. Je veux Youfi. Ça te manque pas Utaï? Hey. Oh, j'ai fait déplacer. Ah, oh, j'ai dérapé. Mais non. Après, j'ai pas l'impression que ma position ait une grande influence sur. Hein. Je suis à deux temps, un doit être crevé là. C'est moi. On balance des limites. Ouais. On va dans les limites. Ouais.
quoi. J'ai fait dépasser. Ah oui, j'ai fait dépasser, putain. Ah, si je dérape sur mes joysticks aussi. C'est tendu axe, hein. C'est tendu axe, hein. Bam. Ok. Ok. Je prends. Par contre. Par contre, ah ou en fait, juste ah ou enregistre. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Au, au, au. Au. Voilà. Ah, le problème c'est pas. Le problème c'est que je sais gérer mais. Je prends quand même vachement cher. Soin. Ah bah détourne tout de suite un éther. Allez, on peut utiliser un éther. C'est long! C'est long! Elle est planquée où cette ninja? Oh! Ninja relou! Le jutsu du relou! Le jutsu de l'emmerdement! Bon, ouais, c'est ça. J'ai essayé que j'arrêtais avec les dégâts. Voilà, je prends plus de dégâts, c'est bon, j'ai stop. J'ai stop, je prends plus de dégâts. Ils sont pas scellés! Pardon? C'est quoi cette dinguerie? Ou alors ils sont scellés, mais leur animation est continue quand même parce que c'est des baisers? Ah, peut-être. Peut-être. Non, mais ça s'attaque pas. Allez, on gâche pas de mana. Voilà, nickel. Ok, ok, ok. On sent bien sur ce combat là. On s'en sort plutôt bien. Bah, t'as tout, ça c'est cool. La super pousse. La super pousse. Prends. Allez, Ninja, c'est mort. Oh, j'ai pas sauvegardé. Les regrets arrivent soon. Pardon? Pardon? T'as encore plus de dégâts qu'avant?
Tu les tuer. J'en perds mon casque. Ah! Ils sont horribles! Oh la purge! Et vrai, c'est plus je prends les levels et plus ils sont forts. Parce que le mode est là en fait, le mode est un peu progressif. C'est une difficulté progressive. Plus j'avance et plus les ennemis sont forts. Il y a un scaling des ennemis, contrairement au jeu de base où il n'y a pas de scaling des ennemis et tu reviens sur une zone bas niveau, tu défonces tout. Il y a un scaling des ennemis. Oh non, elle fait fuite, il y a un scaling des ennemis. Et je cherche, je suis Yuffie, j'ai toujours trouvé. Et j'ai toujours envie de crever, de pas trouver Yuffie. Ah, je vais parer. Je vais manger mon micro. Bah non. Quel crit, mais ça m'a suffi. Un peu dommage ça. Je vais vers le bas. Pour ça j'aime pas jouer au stick. Ma croix directionnelle est un peu bizarre. En fait j'ai cette manette là. Et la croix directionnelle, normalement il y a un bouton par dessus qui fait mieux la croix directionnelle. Parce que là elle est à ras de... En fait elle est à ras. Et je l'ai perdu. Fiegue. Un jour il était dans mon sac. Puis il était plus. Vrai drame. Bon! Allez, Yuffie! Ninja Temoru! Ah, voilà. On lui met tout dans la gueule. On lui met la sauce. Hein. On lui met 100% la sauce. Sinon... C'est mort. Pourquoi son modèle là, what the fuck? Mais son modèle, il est baisé. Elle a pas le bon modèle. Wait, what? Attends. Alors. Je n'ai absolument pas envie de me retaper toute cette merde. Donc je vais même pas avoir de... Voilà. Alors pas de save point hein. Sinon si tu utilises un save point tu me... Enfin c'est de la merde. Je peux pas croire que j'ai perdu. Les têtes de hérisson. Moi que t'appelles tête de hérisson. Allez encore une fois on remet ça. Pas intéressé. Vous croyez pouvoir m'échapper? Restez là et battez-vous! Battez-vous, compris? Je reparle. Allez, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi, c'est ça? Terrorisé. Hé hé, c'est ça ce que je pensais. Pas étonnant, vu comme je suis doué. Bah, je serais fou, les morveux, moi, si vous jouez la vie à plus. Je vais m'en aller. Vraiment. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore quelque chose? Ah, alors c'est ça.
Vous avez besoin de mon aide parce que je suis trop forte. Vous voulez que je vous accompagne, n'est-ce pas? Mais ça. J'en étais sûr, ça met dans une situation délicate. Que choisir? Bon, si c'était temps, je peux pas refuser. D'accord, j'ai avec vous. Allez, on se casse. Faut pas lui donner son nom. Faut juste y aller. Hein? Je sais même pas dis-moi comment j'appelais. Ouais, elle se dit son nom. Yuffie. Excusez-moi! Pas d'accord. Là, je suis d'accord. Moi, c'est Yuffie, ravi de vous connaître. Comme je l'avais prévu. Il me reste plus qu'à un peu si un peu ça. Niak, niak, niak. Voilà, son riz, niak, niak, niak. Niak, niak, niak. Attendez-moi, attendez-moi. J'ai Yuffie, c'est bon. Mais je me pose une question. Donc on va la faire venir à la place de Red 13. Voilà, très bon bracelet. Elle a lancé qui est... Je vais lui donner les matériaux de rouge 13. Ah, pas couverture. Alors, je... Avec volet, évidemment, évidemment que j'en ai avec volet. Voilà. Yuffie. Parce que ça m'a un peu perturbé que son modèle de combat était pas le Nino style. Donc j'aimerais le voir de mon côté. Si là c'est le bon. Ah c'est peut-être juste parce que comme elle était ennemie c'était bizarre. Bon ok. Bon je prends. En tout cas, très bien. Aide de chaleur. Oh, damn. On s'adapte au type feu, c'est pour ça que elle a pris que la moitié. D'ailleurs, Yuffie pourrait s'en arrière. J'ai dû penser. Ça va être rien. Et ben on va aller devant Junon. Sauvegarder. On va s'arrêter là. Voilà, voilà. Quel enfer! Oh là 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 là. Tout ça pour les ninjas. Eh bien, tout ça pour une voleuse de matériel qui va me trahir. Bon, bah, prochaine fois, il y a quoi? Là, on en reste quoi? Il reste Junon. Traversé. Donc, affrontement avec Genova. Ah, ah ouais, prochain, peut-être prochain, sera avec affrontement avec Genova. C'est cool, ça. Ok. Et bah, pouf. Next time, next time.